Les deux premiers, c'est presque les deux meilleurs. Il manque Richmeyer, mais il n'y a pas eu beaucoup de surprises à part Cameron. Alexander qui est là, qui fait une super médaille de bronze pour l'instant. Il va falloir attendre la fin pour être pour le résultat, mais Marco qui gagne sa première descente ici. La piste, elle est vraiment taillée pour lui. Elle est courbe sur courbe. Pas vraiment taillée pour moi, mais ça a été comme ça. Mais c'est, je pense que c'est un bon résultat. Et c'était une belle journée aujourd'hui, malgré tout, pour tout le monde. Et puis moi, malgré tout, malgré le résultat, je suis content de l'avoir fait quand même. Ouais, j'ai eu du mal sur la piste depuis le début de la semaine. Il y a le S des Arolles qui me coûte très cher. Je suis à 6 dixièmes sur le plat, c'est déjà mort, quoi. Même si je fais des bonnes sections, si je fais des trucs honnêtes, c'est mort. En descente, faut se lancer vite. Moi, je me lance pas vite à chaque fois, donc... C'est comme ça, j'étais pas invité pour le podium, donc j'ai aucun regret. Après, je voulais la vivre, cette descente, j'ai vécu. Ça fait une bonne occasion de dire au revoir au public français aussi, donc ça c'est cool. Mais oui, je savais qu'il fallait prendre tous les risques, alors j'ai pas vu toute la course avant. J'ai vu la course de Dermatt, ce qui fait une course exceptionnelle. Exceptionnelle, mais quand on regarde Musat par exemple, il est devant en haut, donc voilà. Non, après, il fallait prendre des risques aujourd'hui, on l'avait vu sur le Super G aussi l'autre jour. On le sait, c'est les championnats du monde, tout le monde va jouer sa carte à fond, il y en a qui vont se mettre au tas, ça va pas passer pour tout le monde, mais ça peut passer pour certains derrière. Donc voilà, moi j'étais un outsider aujourd'hui, j'ai essayé, sauf que je l'ai fait à l'envers. Et voilà, en étant à l'envers, je me suis cramé très rapidement et derrière, je n'y arrivais plus. Donc j'ai jamais réussi à trouver la clé, que ce soit sur mes réglages et sur la piste. Sur cette semaine, le bas, j'ai jamais réussi à être vite sur un intermédiaire. Donc autant en haut, ça allait, et en bas, j'ai pas réussi. Donc voilà, j'ai essayé de jouer ma carte aujourd'hui, ça n'a pas marché. Et je veux pas me trouver d'excuses. Donc voilà, après, c'est sûr qu'il y a un an, j'étais... Enfin, à cette époque-là, je n'étais plus en fauteuil, mais ouais, j'étais en fauteuil. Je savais pas si j'allais pouvoir reprendre le ski de haut niveau. Donc voilà, c'était hyper dur. Je suis là, donc c'est un miracle, déjà, je pense. Là, tout le monde a très bien bossé autour de moi, c'est juste fantastique. Et après, c'est clair que quand tu fais 4e, 14e, machin, au début j'étais content de faire 14e, maintenant 14e ça me gonfle, et tant mieux, hein, sinon je serais pas là. Mais c'est pas ce qui me convient. Si j'ai fait 4e, je me dis que je peux faire encore mieux, et aujourd'hui, quand je fais une descente comme aujourd'hui, bah, c'est pas correct. Donc voilà, mais après, en prenant un peu de recul, peut-être que plus tard je serai heureux. Ouais, ouais, j'ai retrouvé la nac, mais j'ai du mal à la retrouver tous les jours. Donc voilà, j'ai essayé aujourd'hui, je l'avais. Mais c'est encore un peu compliqué, mais non, je l'ai. Après, c'est quand même un long processus, c'est ce qui manque encore le plus, mais ça avance. Je suis très heureux, voilà, si on ramène les choses dans leur contexte, à la base, j'étais censé être que remplaçant, donc malheureusement, Sip n'a pas pris le départ, ça a été une belle opportunité pour moi, et je me suis surtout dit dans le coin de ma tête, et même pas que dans le coin, au fond de moi, joue ta chance crânement et repars d'ici sans regret, et c'est le cas parce que voilà, je fais une de mes meilleures manches, une de mes manches les plus abouties depuis maintenant 3 saisons. Voilà, j'ai joué jusqu'au dernier intérêt avec le podium, donc voilà, maintenant j'ai pas de regret, j'ai pioché un peu physiquement sur le bas, c'est ce qui me coûte du temps, mais quand je remets les choses dans leur contexte, c'est une très belle course. Ouais, bah, je me suis donné un mot, c'était conquérant, parce que voilà, j'avais envie de repartir de l'avant, et voilà, ça a été une saison un peu compliquée, j'ai eu mal au dos au début de saison, j'ai raté 3 courses, etc. Et il faut aussi relancer la machine. Moi, j'ai besoin de skier, reprendre des tours et avoir de la confiance pour skier vite. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une bonne course à Wengen. Après, ça a été compliqué à Kitzbühel. Donc, voilà, là, j'ai voulu pas trop réfléchir, ne pas me poser de questions et faire une manche pleine. C'est ce que j'ai fait, donc je suis content. Ouais, bah, moi, j'ai eu 3 entraînements. Un premier entraînement correct et les 2 entraînements d'après. Voilà, j'ai mis un peu des petits travers à 2-3 endroits où ça coûte beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je me suis dit non. J'ai regardé la manche de Marco Odermatt, il met pas un travers, il bourre comme un fou jusqu'en bas. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Après, je pense que je me trompe un peu en bas en perdant un peu de la lucidité et du physique. Je manque de m'écraser dans le dernier pied gauche. Voilà, ça me coûte du temps, mais parce que aussi j'ai tout donné sur le haut, et c'est pour ça que j'ai pas de regrets, quoi. Ouais, non, on fait un sport, voilà. Quand t'as connu les hauts, quand t'as connu les bas, etc., bah, surtout quand t'as connu les bas, bah, quand il y a des journées comme ça qui se passent bien, parce que voilà, c'est sûr qu'on dit les championnats du monde, il n'y a que les médailles qui comptent, mais quand moi je remets un peu dans le contexte par rapport à moi-même, bah, voilà, une sixième place, c'est très correct. Les derniers mondiaux que j'ai fait un 180 à Cortina en m'abîmant quand même les genoux, etc., et depuis je galère un peu, donc bah, je trouve que voilà, c'est un beau pied de nez à l'événement qui s'est passé là-bas, à la maison, devant voilà, notre public, de bah, retrouver un peu des couleurs sur une belle course, je suis content. Ouais, bah, ça fait 4 jours que je dors pas et malade comme un chien pendant la nuit, donc ce matin je me suis même demandé si ça valait le coup que je prenne le départ, et puis
Les coachs m'ont dit, t'es à la maison, c'est le championnat du monde, ça arrive jamais. Donc, à ce moment-là, j'ai essayé de switcher, me mettre à fond dedans, mais quand on n'a pas d'énergie, c'est dur d'être frais dans la tête. Oui, sur le bas, je pense que je fais du ski super honnête. Après, en haut, je perds beaucoup de temps et c'est dommage parce que je vois Musat qui fait une super course. Il doit être 7 dixièmes devant moi, 8 dixièmes, et c'est du temps que je perds en haut, et en bas, je perds quasiment plus rien. Donc voilà, je vais regarder ça. C'est dur d'être satisfait d'une 21e place, honnêtement. Non, bien sûr, le seul truc, c'est... Ça aurait été dommage de se faire mal, mais maintenant, quand on prend le départ, on accepte. Non, je suis content d'être allé au bout de moi-même. Je me suis surpassé, même si ça se voit pas sur le résultat. Je suis allé chercher quand même loin au fond de moi aujourd'hui. Ouais, c'est pas une victoire, mais... Je me suis prouvé que je pouvais quand même y aller, même quand on était bien diminué. C'est tout. C'est ce que je me suis dit, j'ai passé à Inge, j'ai dit regarde le monde parce que tu verras peut-être pas ça en France. Donc c'était cool. Après maintenant, on est là pour performer. C'est vrai qu'une 21e place, comme j'ai déjà dit, je peux pas m'en satisfaire.